Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons jouer à The Long Dark Wintermute, ce qui signifie que nous allons explorer ensemble le mode histoire de cet excellent jeu qui nous est proposé ici dans un format épisodique des plus sympathiques. Alors installez-vous confortablement, on va démarrer avec l'épisode 1. C'est parti! On va sélectionner le mode survivant compétent. On accepte et je vous laisse profiter de la cutscene d'introduction. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start. Astrid. Astrid. The Joker. Seems about right. Feels like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Chapitre 1, souvenir. Vous avez froid, faites du feu. Très bien. Alors, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut. Alors, on a des allumettes, ça tombe super bien. Par ici, du bois de chauffage. Hop, on va tout prendre. Des petits fagotins. Très bien. On va allumer le poêle à bois. Alors, on va rajouter quelques bûches. Voilà. 3h45 de chauffage. On est pas mal. Par ici, on a du journal. Ici aussi. Je prends tout ce que je peux. Un fait tout. Là, nous avons une carte. Great Bear Island.
Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days, since the quakes and all. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'apprécie toujours autant la direction artistique vraiment originale de ce titre. C'est vraiment excellent. Alors ici, c'est notre chambre. Nous avons une petite photo. Un attrape-rêve. Ici, une barre chocolatée. Parfait, je vais la prendre. Voilà. Ici, on a des casiers, mais je ne peux rien faire avec. Par là, les toilettes, avec encore un petit journal. Ça peut servir. Damn, I was right. Pipes froze up again. Ok, ça, c'est pas cool. Par ici, on a une boîte de tisane. Hop, je prends... Une plaque chauffante. Ici, du bois de chauffage. Très bien. On va directement le rajouter dans le poêle à bois. Tac, tac, tac. Voilà. Impeccable. Ça, c'est notre hydravion. Ok. Là, on a encore du bois qui traîne. Tac, je prends tout. Et là, nous avons la parka de Mackenzie. Donc Mackenzie, c'est nous, hein. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year, getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Ça, c'est une très bonne idée. Quand on est fatigué, il faut faire une petite sieste. Who could that be? Répondez au téléphone. Ok. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn stubborn? Well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, look, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. I mean, it's getting worse.
You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Alors, sélectionner du fret supplémentaire, c'est facultatif, mais on va le faire quand même. Alors, qu'avons-nous ? L'étui d'Astrid, je prends. The mysterious case. Astrid definitely does. Astrid's traveling pretty light. Wherever she's going, she must not be planning to stay long. Alors, nous avons une trousse de premier secours. Bien évidemment, je vais la prendre. Astrid's a doctor, so we're covered there. But probably best to have some extra meds just in case. Pistolet de détresse, on va le prendre aussi. But I'd hate to end up in an emergency. Water, energy bars, purification tablets. Breakfast of champions. Alors, charger le matériel d'Astrid dans l'avion. Alors, ça se passe ici, normalement. Allez, ouvre-moi ça, s'il te plaît. Voilà, parfait. Alors, on va mettre ça, ça, et ça. Ça et ça, je vais le conserver sur moi. Parfait. Prenez votre parka. Allons-y. Still wearing it. Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. But you don't have to.
Mutt's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Astrid? Astrid! I must have gone right through the windshield. Trees broke my fall. Oh, mostly. Chapitre 2, le crash. Alors, utiliser la trousse de premier secours pour arrêter l'hémorragie. Est-ce que j'ai ça sur moi? J'ai que dalle. On va mettre un petit bandage, peut-être. Ok. Ça, c'est fait. Une caisse, on va la décomposer, vite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des bûches calorifiques. Je prends. Allez, vite. Là, on a du tissu. Ici, un journal. Par là, le conteneur. Vite. Des allumettes, super. Hop, un jus d'orange. Du bois, du tissu. On va prendre un maximum de trucs. Et ensuite, on ira se mettre à l'abri. Et on tentera de fabriquer un feu de camp. Avant de crever. Ça, c'est pas mal. De l'accélérant. Encore du tissu. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'on a? Du bois de récup. Allez. Un bâton. Encore un. Là, j'ai quoi? Une boîte en carton. On décompose rapidement. Vite, vite, vite. Allez, c'est pas mal. Là, on a encore une caisse. Ok. Allez. On va se mettre dans cette grotte. On a encore du tissu. Là, j'ai du bois. Parfait. Alors, fabriquer un feu. Ça marche comment déjà? Comme ça. Ok, je peux le placer. Allez, on allume. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, ça prend du temps, mais ça va fonctionner. I don't feel so good. I need to rest up. Ok, cool. On va rajouter du bois de chauffage. Du bois de récup également. Je mets tous les bûches calorifiques. Je vais les conserver peut-être. Hop, voilà. Et je peux dormir ici. Astrid hasn't come looking for me. Which means she can't come looking for me. Because she's hurt. Or worse. I'd better get back up to the crash site. Allez, on récupère tout ce qu'on peut. Et on sort d'ici. On a encore du tissu par là. Je prends. Petit bâton. Hop. Là, du journal, un bâton. Ouais, je prends tout. Hein. Clairement, ça, je décompose. Par contre, je commence à avoir très faim. Est-ce que je peux boire un truc? Ouais. On va utiliser ça. Ça me permettra peut-être de tenir un peu.
Ok, on a des bouquins par là. Ici. J'ai déjà fouillé. Rien de plus dans les parages. Allez. On va faire de l'escalade, a priori. Hop. Alors, dans ce coin-là, qu'est-ce qu'on trouve ? Du bois de chauffage, ça c'est pas mal. I could probably climb that. Ah ouais, t'es optimiste toi mon gars. Allez, vas-y. Ok, c'est pas mal, bel effort. Ah, ça je peux récupérer. Si nous rodons, je prends. Il y en a encore ici. On collecte. Hop, parfait. Allez. Un petit peu de grimpette. On serre les dents et ça passe. J'ai jamais été si hung. Je pense que je vais le faire. Est-ce que ça se mange, ces petites baies, là ? Non. Dommage. Sous forme de thé, je peux l'absorber, par contre. D'accord, bon à savoir. Ok. Par là, ça a l'air de passer. Hop. On continue de collecter ces petites baies. Parfait. Et on a encore un petit peu d'escalade. De ce côté-là. Ah, t'es au bout du rouleau, mon pote. Hein. Finally made it. Ok. Allez, on continue. Attention à la température, je vais devoir faire un feu, je pense, très rapidement. Oh, l'épave! My plane. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Ouais, c'est clair. Cherchez Astrid. Alors, du tissu, un soda à l'orange. Ah, ma parka. I've been looking for you. Nickel. Je vais faire un feu. Hein. Clairement. Tac, on va le mettre... Je ne peux pas le poser, c'est une blague. Pourquoi? Pose le truc, s'il te plaît. Pourquoi il veut pas le poser? J'ai pas les éléments pour le fabriquer, c'est ça? Oh là là, je suis mal barré, là. Astrid's pack. Allez, on va fouiller les affaires d'Astrid. Oh, ça c'est bien. Je prends... Oh, des gants! Yes. Impeccable. Allez, ouvre-moi ça. Il y a un code. Locked. Dommage. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Du bois de récup, ok, pas mal. Petit bâton, petit bâton. Oh, ça c'est nickel. Pistolet de détresse, fusée de détresse. Hop, je prends tout ça. Tac, nickel. Encore du tissu. Moi, je voudrais bien faire un feu, là, par contre, les amis. Hein. Pourquoi je ne peux pas le poser, ce truc? C'est un truc de fou. Ah, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Bon, bah tant pis. Par contre, je vais devoir manger quelque chose, je pense. La bouffe, c'est où? La bouffe, c'est là. On va manger la barre chocolatée. J'espère que ça ira mieux. Par contre, le froid, c'est pas ça.
Malheureusement, par là, je ne peux pas poser de feu de camp, donc c'est très 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 problématique. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je peux grimper par ici? Oh oui! Ça passe. Là, on a une caisse. Hop, on décompose. Ah, le froid commence à me faire très mal. Ok. Un morceau d'étoffe. Oh là là, il faut vraiment que j'arrive à poser un feu, hein. Pourquoi je ne peux pas? Ah, il n'y a pas moyen, hein. Ouais mon gars, je sais, on est dans le mal, mais faut que tu t'accroches. Ok, là-bas on a des lapins. Hop, on équipe. On va essayer de dégommer du lapin. Hein. Boum, j'en ai tué un. Yes. Allez vite. Non, oh, non, je l'ai pas... Oh, il était pas mort. Dommage. Oh, c'est con. Allez, équipe-moi ça. Toi, là-haut, petit lapinos. Boum! Allez, vite, vite, vite! Le lapin... Ah, il est pas mort! Mais zut, mais comment je peux le... Je vais prendre plusieurs pierres, peut-être. En tout cas, ça va, au niveau de la visée, je m'en sors plutôt bien. Ah là là! Zut, c'est très difficile de les toucher, hein. Extrêmement difficile de bien viser avec des pierres. Alors, hop. Someone's been here recently. Could it faire du feu. Vite, dépêche-toi, fais du feu. Ça, c'est bon. On va se réchauffer un petit peu. Come on. Ça va nous faire du bien. Fire's life out here. Alors, bois de récupération. On va charger le feu. Voilà. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je peux faire cuire des trucs? Conserve recyclée. Ouais. Neige fondue. Pas mal ça. Allez, on va faire cuire. Hein. J'ai besoin de manger par contre. Et il y a pas mal de lapins dans le coin. Je vais faire un petit stock de pierres. Et ensuite, je vais les canarder. Allez, ramasse la pierre. On équipe. Oh, je l'ai eu. Mais pourquoi? Pourquoi il se relève à chaque coup? C'est un truc de fou. Allez, ramasse des pierres à gogo. Allez! Mais pourquoi il se relève à chaque coup? C'est pas cool ça, les mecs. Est-ce que j'ai un objet qui pourrait me permettre de les buter? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout.
Bref. Je ne me rappelle plus du tout comment ça fonctionne. On va le laisser. Il reste 19 minutes avant que l'eau soit bouillie. Ouais. Est-ce que je peux prendre ça? Neige fondue. Allez, c'est parti, on continue. Hein. Bien par là, toi. Oh là là. Oh, j'arrive à rien avec ces petites caillasses, là. Allez, ramasse des pierres. Alors, j'ai de l'eau. On va boire. Ah, j'ai un couteau là, peut-être. Action, je peux faire quoi avec ça? Je peux l'aiguiser? Non. Ok. Ah, je peux rien faire d'autre. Je peux pas l'équiper directement. A priori, non. Risque d'hypothermie. Ouais, effectivement, ouais. Allez, je prends ça. Oh, j'aimerais beaucoup estourbir un petit lapin là pour le pour pouvoir le manger, mais boum, en pleine tête là, faut pas déconner, oh. Allez, allez, je vais essayer de le choper une deuxième fois. Oh la vache. Ouais, je sais bien mon pote, mais là, je t'avoue que... Oh là là, j'arrive pas à le toucher lui. Mais c'est pas vrai. Là, il y a de la mousse. Ça, c'est pas mal. Je prends. Tac, je récupère. Oh là là. Oh, je vise comme un pied en plus. Ça n'arrange rien. Allez. Putain, j'arrive pas. Ah, j'ai plus de pierre, évidemment. Ah, je suis très mauvais à ça. Hein. Je vais rajouter un petit peu de bois de récup. Voilà, 2h49, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à plus tout le monde. Allez, ciao !